Par contre, elle, elle est folle, il faut l'emmener à l'hôpital, elle, hein. Elle est complètement vieille du bulbe. Allez, on l'emmène tous à l'hôpital. Wouh! Parce que l'hôpital, en plus, c'est génial. Allez, hop! À l'hôpital! À l'hôpital, t'attends longtemps, même que si t'as très mal. À l'hôpital, 15 heures de queue pour un toucher rectal. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue pour cette quinzaine commerciale de notre méga-centre hospitalier drugstore. Afin de pénétrer dans l'hôpital, veuillez insérer votre doigt et votre carte dans la fente prévue à cet effet. Non, pas la vitale. La bleue ? Voilà. Non, pas la fente, la carte. Oh, un peu bizarre. J'appelle le numéro 146, monsieur Awat. Top tarap, top tarap, top tarap, top tarap. Numéro 146, monsieur Awat, c'est vous? Bonjour, monsieur Awat, je me présente, je m'intitule Kelly Souberan. Je travaille pour le méga centre hospitalier drugstore et je suis votre chef de rayon. X. Et c'est moi qui vais m'occuper personnellement de votre dossier. Afin d'établir un diagnostic, veuillez insérer votre doigt dans la fente prévue à cet effet. Comment? Les infirmières? Non, il n'y en a plus beaucoup par ici, non. Non, désormais, elles travaillent toutes pour notre concurrent direct. Oui, la NPE. Insérez votre doigt et confiance. Voilà. Voici votre ticket d'admission, monsieur Awat. Manifestement, vous semblez souffrir d'un petit cancer des... intestins. Vous devez subir une intervention d'urgence, monsieur Awat, si vous ne voulez pas mourir. Voulez-vous mourir, monsieur Awat? Non, vous n'avez pas envie. Très bien, on va vérifier que vous avez bien les moyens de vos envies. Vérification bancaire est en cours. Ok, chanceux. Alors, ce que vous allez faire maintenant, monsieur Awat, vous allez vous diriger tout droit au fond de notre méga-centre hospitalier drugstore. En face, l'accueil nord, un animateur va vous accueillir au bloc numéro 7. Non, vous suivez mon doigt quand il est là-bas. 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 Sinon, vous vous trompez. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs... Pardon. Votre animateur se trouve toujours au rayon des longues maladies. Un rayon où une foule de plus en plus nombreuse se précipite pour profiter des dernières secondes de cette vente flash. Hein? Vente flash baptisée 5 colons à la une. Hein? Pardon. Je vous rappelle que vous pouvez accueillir 5 colons pour le prix d'un. Alors, colonisez, messieurs, dames, colonisez. Hein? En France, on a le mode d'emploi. Hop là, j'ai dormi longtemps. Non, pas trop, bon, c'est bon. Alors, stop, cette bande flash est maintenant clôturée. Et je me dirige tout de go vers le bloc numéro 7. Bloc numéro 7 où je retrouve Michel Awat. Alors, Michel, bonjour Michel, coucou Michel, ça va Michel? Alors Michel, je vois que vous avez opté pour un cancer des intestins, Michel. Alors, comme ça, une question qui me brûle les lèvres, en êtes-vous content? Non, bien sûr, Michel. Bah non plus, tu penses. Installez-vous, on va vous débarrasser de ce fléau, Michel. Tandis que ce faisant, j'en profite pour rappeler à notre aimable clientèle que le bloc numéro 7 est soutenu par les magasins Katarana. Katarana, l'ouragan de l'outillage. Voilà, ça c'est fait. Hein? Alors, Michel, c'est bien, vous êtes en place? Vous allez maintenant pouvoir choisir sur l'écran le docteur qui va vous opérer à distance, hein? Oui, de loin. Ben c'est le principe de la distance, hein, Michel? Alors, pour le docteur Jacques Grosse-Marie, vous tapez 1, Michel. Pour le docteur Douste Blasi, vous tapez 2. Et enfin, pour le docteur Delajoux, vous tapez 3. Voilà. Non, il fait tous les organes, c'est son nom. Voilà. Non, Bachelot, elle opère pas, elle est à côté, elle pique. Elle en a pour un moment, hein, il y a du stock.
Michel, vous avez choisi le docteur Doust, bougez pas. Tandis que ce faisant, j'en profite pour rappeler à notre aimable clientèle que le docteur Doust utilise du matériel broche. Broche! Du dry de pro! Voilà, ça c'est fait. Votre attention, s'il vous plaît. Nous rappelons à notre aimable clientèle que lors de son passage en caisse, elle ne doit pas retirer les codes-barres sur chacune de ses cicatrices. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Le petit David est attendu par ses parents au bloc... Non. Non, le petit David est attendu directement à la chapelle du drugstore. Cours, David, cours. Le... Oui, d'accord. Eh bien, merci, Kelly, pour cette intervention. Ça valait le coup de s'arrêter. Alors, attends... Oh, et je vois que Michel est dans les starting blocks, Michel. Hein, il en veut le bougre. Alors, c'est bien, Michou. Alors, le... Starting block opératoire, Michel, hein. Hop là, j'ai dormi longtemps. Non, pas trop, bon, ça va. Bougez pas, Michel. Tandis que ce faisant, j'en profite pour rappeler à notre aimable clientèle que vous pouvez suivre en direct l'opération de Michel sur lastminuteoperation.com, notre partenaire de la chirurgie des notre partenaire de la chirurgie des... Dégriffé. Hop là, j'ai dormi longtemps, non? Bon, eh bien, tous avec moi maintenant à l'hôpital, on encourage Michel, parce que c'est pas facile ce que fait Michel, hein? Allez, on y va, Michou, vous êtes prêts? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, Michel, opérez-vous. Pardon. C'est bon. Non. Alors, tandis que ce faisant, j'en profite pour appeler à notre aimable clientèle que la cicatrice de Michel sera réalisée grâce à... Oh, pique! Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah! Qu'est-ce que c'est? L'opération touche à votre fin, hein, Michel? Sachez toutefois, Michel, que en cas de complications post-opératoires, vous pouvez toujours contacter notre hotline au Maroc, hein, à condition de parler sénégalais, bien sûr, hein, monsieur. Ah oui, j'oubliais. J'oubliais, Michel. Si jamais vous trouviez moins cher ailleurs, votre MCHD vous rembourse la différence, Michel.